Bonjour, aujourd'hui je suis avec Seb, avec Moguri, avec Médoc et nous allons parler de la nouvelle console Microsoft, la Xbox One. Bienvenue dans Extra Life. La Xbox One a été annoncée lors d'une conférence Microsoft, donc qui a eu lieu il y a quelques jours. On va maintenant faire un débrief complet et parler un petit peu des specs de la console, mais également de la conférence en elle-même et de nos ressentis, des infos qui sont passées ou des infos qui ne sont pas passées. On va commencer déjà par votre premier ressenti. Est-ce qu'il le fait marquant un petit peu de cette conférence pour vous? Tu dis tout de suite que tu l'as pas vu ou... Je voulais attendre un petit peu le milieu de l'émission pour dire ça. D'accord. Mais bon, je peux le dire tout de suite. Vas-y. Du coup, vu que... Donc moi, je l'ai pas regardé, la conférence. Alors évidemment, après, je me suis renseigné partout sur ce qui s'était dit et tout ça. Puis j'ai surtout vu le retour de la jeunesse, comment la jeunesse et puis les consommateurs. T'es là un petit peu en tant que modérateur, donc tu vas nous parler un petit peu des réactions. Mais comment ça avait été, tout simplement, ça avait été pris. Et je me suis bien amusé, du coup. J'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a des commentaires qui étaient carrément super méga drôles, ouais. Et qui, quelque part, malheureusement, résumaient pas trop mal. Oui, non, mais c'est pour ça. Donc il y avait une grande pertinence, c'était drôle et pertinent. Ça fait peur. Ok, et toi, Moguri? Donc moi, je l'ai vu. Voilà. Et j'ai trouvé... Déjà, je me suis ennuyé la plupart du temps. Après, je l'ai trouvé moins... En termes de conférences, vraiment, en termes de moments à passer, je l'ai trouvé... presque mieux maîtrisée que celle de Sony, dans le sens où Sony, on en avait parlé à l'époque, j'avais l'impression qu'ils se contredisaient parfois dans leurs discours, tout ça. Là, ils étaient plus clairs, leur discours c'était « on va vous parler de télé et pas trop de jeux vidéo ». Ils ont été cohérents d'un bout à l'autre, et les mecs s'en sortaient pas mal. Après, maintenant, pour le contenu vraiment de la conférence, le fait de parler, comme j'ai dit, la plupart du temps de tout sauf de jeux vidéo, puis après de parler de jeux vidéo via le FPS, le sport... Si je veux en parler, c'est vraiment le truc. Moi, je rejoins un petit peu Médoc dans le fait de ne pas avoir vu la conférence, mais je peux te sortir plein d'excuses. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est tout simplement les specs techniques de la machine pour voir comment on se situait à côté de la PS4. Et ben, après analyse, j'en parle tout de suite. Parce que j'ai un truc à dire juste avant. Donc on revient. Okay. Il en a gros. Donc non, pas plus que ça. Mais voilà, j'ai eu les infos. Enfin, il n'y a pas grand chose qui a été dit. Mais bon, il y a quelques infos. Mais vas-y. Moi, ce que j'ai retenu, en fait, c'est une conférence qui présente une nouvelle console de jeu. Une console de jeu. Donc on s'adresse avant tout aux gamers. Les gamers, c'est les gens qui achètent les consoles de jeu. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment frustré, c'est qu'on limite notre média, le média jeu vidéo, à deux genres. Donc en gros, ils ont parlé de jeux de sport, donc on inclut également évidemment les jeux de course, etc., puisqu'ils ont parlé de Forza. On a parlé de FPS, et du seul FPS, enfin du FPS qui vend le plus au monde aujourd'hui, donc Call of Duty. Et voilà. Donc on a parlé vaguement d'une nouvelle licence avec Quantum Break, développée par Remedy, donc les gens qui ont fait Max Payne, qui ont également fait Alan Wake, donc d'excellents titres, pas de soucis. Mais c'était juste un petit trailer rapide avec des images live et des images de cinématiques, on suppose. En bref, c'était pas précis. Le type de jeu proposé était pas également très très clair. Bref, on est sur deux genres, le sport et le FPS. Et ensuite, lorsqu'on rentre dans le détail et qu'on commence à parler de gameplay, donc pour des genres très répandus comme ces deux-là, sachant que le jeu vidéo évidemment se limite pas au sport et au FPS, il y en a beaucoup d'autres, mais pour les gens... Les millions de gens qui vont regarder cette conférence, ça ne fait que valider cette image qui est véhiculée, ce cliché qui veut que le jeu vidéo ce soit que des jeux violents ou alors des jeux de sport et en l'occurrence en particulier de sport américain. Donc c'est agaçant. Hein. Enfin, je veux dire, c'est comme. Est-ce que cette conférence s'adressait peut-être pas à un grand public justement, pas gamer? On s'exprime aux gamers avant tout. Les gros titres les plus vendus au monde. Et ensuite, il y a un autre truc. Oui, évidemment, c'était les deux plus gros acteurs qui étaient présents. On notera l'absence de tous les autres. Il n'y a pas de petits développeurs. Il n'y avait pas de développeurs indé sur cette conf. Alors que Sony avait fait l'effort d'inviter au moins Jonathan Blow pour la présentation de Witcher. C'était pas The Witcher, The Witness. Et on avait également un autre truc, donc sur la partie FPS spécifiquement, lorsqu'on commence à rentrer dans le gameplay, sachant que sur cette conférence qui a duré une heure, on a eu droit à quelques secondes de gameplay à la toute fin de la conférence, les features gameplay
Next Gen, la nouvelle génération, l'Xbox One qu'on nous présente, c'est quoi? C'est un chien. Dans Call of Duty Ghost, on aura un chien super bien modélisé et qui est modélisé quasiment à l'identique du chien modèle, qui était un chien de combat. On verra même les petites cicatrices sur son nez. Mais super, par contre, super bien modélisé. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement frustrant. Il y a quelques années, on avait critiqué énormément Nintendo pour la conférence de lancement de la Wii, la toute première, en disant genre, ah, ils ignorent complètement leur public de base, les gamers, ils ne s'adressent plus qu'aux casual. Et là, Microsoft ne s'est même pas adressé aux casual, il s'est adressé aux consommateurs de télé. Et donc, ce qu'ils nous ont présenté, et des fans de chiens. Et des fans de chiens. Et ce qu'ils nous ont présenté, en fait, avec la Xbox One, c'est une grosse télécommande virtuelle qui te permet de contrôler ta télé à la voix. Sachant qu'en plus, c'est pas sûr que ça fonctionne nickel en France, parce que c'est vraiment, toutes les annonces étaient focalisées sur le marché américain et s'adressaient avant tout au public américain, et ça également c'est frustrant. Mais alors, on est dans le fantasme du device central au salon qui gère à la fois la télé, tes films, tes contacts. C'est le même discours depuis la première Xbox. Tout à fait, tout à fait. Et ils sont sur ces rails-là, alors est-ce qu'ils peuvent y arriver? Bon, faut voir, hein. Ça peut être intéressant, mais... Et puis c'est pas si étonnant que ça qui s'adressent, pour le coup, complètement énormes, cas, au public américain. Ils veulent avant tout se positionner. J'ai l'impression qu'ils ont complètement... Dans le monde entier. Je sais bien, mais j'ai l'impression déjà qu'ils ont complètement abandonné le Japon. Enfin, tu vois, la Xbox 360... Il y a des développeurs japonais dans la petite vidéo de présentation. Ouais, on aperçoit avec Kojima. D'accord. Mais les mecs veulent quand même se constituer une solide base aux States, s'adresser très clairement aux States à travers les annonces qu'ils ont pu faire sur la télé, à travers le type de jeu présenté, très clairement, ça s'adresse aux Américains. Ça ne parle pas à nous, ça va encore moins parler aux Japonais. Mais après, bon, c'est un choix. Voilà. Mais après, voilà, il faut aussi se demander vraiment à quoi sert ce genre de conférence. C'est-à-dire que c'est pas anodin d'en faire une à quoi, 2 semaines de l'E3. Ouais. Déjà, à l'époque de la conférence Sony, on s'était dit, alors même qu'elle était beaucoup plus fournie, je veux dire, en termes d'infos, on s'est dit, oui, bon, mais ils font ça, c'est pas très longtemps avant l'E3, ils nous disent principalement qu'on en saura plus à l'E3, ils nous montrent même pas la console, c'est ce qu'on avait dit pour Sony à l'époque. Là, ils font ça 2 semaines avant l'E3. Est-ce qu'ils veulent vraiment s'adresser aux joueurs à ce moment-là, en faisant cette conférence, ou est-ce qu'ils veulent pas plutôt attendre l'E3 pour s'adresser aux joueurs, et que là, ils font un truc plus général? Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais du coup, c'est ignorer en fait le principal média de cette console, c'est pas de regarder la télé. Bien sûr. C'est pas ça, c'est de jouer aux jeux vidéo. Et donc, du coup, d'ignorer ce public, nous, c'est très agaçant. Parce que les gens qui vont acheter majoritairement cette console sont les gamers, simplement pour jouer. Donc, du coup, limiter genre, les annonces à 2 types de jeux, 2 genres, sachant qu'il y en a 1 milliard de genres vraiment très différents, de profiter de cette occasion où on s'exprime à des millions de gens à travers le monde pour véhiculer une autre image du jeu vidéo, ils n'ont pas saisi cette opportunité. Et ça, c'est un truc que je trouve frustrant. Voilà. Bon. Alors, pour vous parler un petit peu des specs de la machine, en fait, c'est vraiment exactement comme la PS4. C'est-à-dire qu'on a un processeur central AMD combiné CPU et GPU, donc microprocesseur et carte graphique. Apparemment, donc 8 cœurs à peu près, carte graphique de puissance équivalent, apparemment la même chose. Ils ont, là c'est une base avec 8 gigas de mémoire, 8 gigaoctets. Bon, très bien, on aime bien toutes ces trames là, c'est très positif pour cette future génération de consoles. Il y a quelques petites différences. Chaque fabricant a apparemment apporté son lot de modifications à l'architecture. Donc, sûrement qu'il y en aura un des deux qui aura eu la main plus heureuse. Très bien. Il y a une différence sur la vitesse de la mémoire. Je vous avais dit, quand on avait fait l'extra live sur la PS4, que Sony avait fait un gros pari. Ils avaient pris une mémoire très très rapide. Et ça peut apporter plein d'avantages de manière générale, notamment d'aller faire bosser la carte graphique, pas que pour l'affichage, mais pour des calculs comme la physique, des choses comme ça. Avec la vitesse de cette mémoire, on peut se permettre de revenir, de travailler comme ça. Là, sur la Xbox One, ils ont pris l'approche plus conventionnelle, c'est de la mémoire comme on a sur un PC aujourd'hui. Et pour la partie carte graphique, il y a un cache local très rapide, comme il y a déjà sur la 360 où ça marchait très bien. Donc on va dire que c'est plus conventionnel. Lecteur Blu-ray sur les deux, ok. C'est important. Disque dur sur les deux, très bien. Donc sur la PS4, on a ce bouton share qui permet de partager par exemple les vidéos qu'on est en train de jouer, de les streamer
Et chose importante, ils ont prévu un petit processeur dédié pour que vraiment la machine elle soit concentrée exclusivement sur le jeu, qu'il n'y ait pas de partage comme actuellement. Vous savez, vous êtes en train de jouer sur votre 360 par exemple, vous appelez le menu Xbox avec le bouton Xbox. Bah, des fois, quand le jeu est un peu bien actif, le menu tarde à arriver. Bah, oui, il faut faire ça en plus du reste. Donc là, Sony a pris le parti de séparer le système pour que vraiment la machine soit à fond sur le jeu. Microsoft, on ne sait pas trop, ils ont annoncé qu'il y aurait une virtualisation du système d'exploitation, c'est-à-dire il va y avoir l'environnement qui fait tourner le jeu, puis aussi un Windows 8 très léger pour faire tourner des applications Windows, du store Windows, des applications dites, on dit plus métro, on dit l'affichage moderne. Et puis, bien sûr, pour piloter le Kinect, puisque cette console vient avec un nouveau Kinect, beaucoup plus efficace. On a vu des démos extrêmement impressionnantes. Et c'est un Kinect, donc, qui va être obligatoire. La console ne fonctionne pas sans son Kinect. Le Kinect ne fonctionne pas sans sa console. Les deux vont de pair. On ne sait pas si le Kinect va être, comme sur la 360, quelque chose qui est calculé par la console elle-même. Et ça lui demande du travail en plus du jeu, donc forcément, le jeu est un peu moins bien. J'espère qu'ils ont prévu le coup et qu'il y a des puces dédiées pour gérer ce Kinect, parce que les perfs sont assez impressionnantes et ça doit demander un sacré puissance de calcul, ça, derrière. Mais, effectivement, on a la même architecture, c'est assez flagrant. Du coup, on va pas avoir forcément comme 360 PS3, où il y a des jeux qui sont développés exprès pour l'un, exprès pour l'autre, et du coup, le portage sur l'autre plateforme est moins bien. On va avoir des plateformes vraiment très compatibles et sans doute aussi très compatibles avec l'architecture PC, puisque ce sont des PC. Alors, il y a aussi une conséquence de l'adoption de cette plateforme technique par Microsoft, c'est qu'on brise la compatibilité avec la 360. La 360 avait déjà brisé la compatibilité avec la toute première Xbox. Il y a quelques jeux qui passaient, ouais. Mais pas beaucoup. Ils avaient essayé, mais alors... Comme des furieux, j'avais lu des blogs de développeurs chez Microsoft, des mecs super balèzes de faire des émulateurs qui arrivaient à faire tourner virtuellement la première Xbox sur la 360 pour les jeux. Mais ils avaient eu du succès que sur quelques titres et pas les plus complexes. Donc c'est très difficile. Donc là, non seulement les jeux 360 ne pourront pas tourner, mais aussi les jeux achetés sur le Live Arcade et les jeux indés. Par contre... On revient à une plateforme de processeurs type Intel AMD, comme la toute première Xbox. Peut-être que la toute première Xbox sera disponible. Enfin, les jeux, le premier Halo, par exemple, Crimson Skies, les Hunt, les tout premiers jeux. Jet Set Radio Future, ah, ça serait bien. Ça serait dispo sur Xbox One. Parce que justement, il tournait mal sur la 360, le futur. Bon, donc voilà, on a cette console qui, ma foi, est pas du tout, qui a l'air relativement équilibrée. C'est une architecture très très mature. On ne sait pas ce qu'il réserve de custom dedans. On ne sait pas si, donc, il parle effectivement beaucoup de télé, d'incrustation, enfin sur le contrôle du flux télé. Alors ça aussi, c'est quelque chose, on se demande si ça sera réservé aux États-Unis ou si ça marchera ailleurs dans le monde. Parce qu'a priori, d'après ce que j'ai compris, donc ce système qui permet de switcher en live à partir de sa console d'un programme télé à son jeu ou à n'importe quel contenu présent sur la Xbox One, Google a déjà essayé pas mal de le faire avec Google TV, et ils ont énormément de difficultés à implémenter cette fonction qui permettrait de switcher on the fly sans utiliser de télécommande, de changer de chaîne. Et a priori, ça ne marche pas pour le moment. France, ce sera encore plus compliqué qu'aux États-Unis. Le gros problème, c'est que t'as ta console qui veut être le centre d'entertainment dans ton salon, et derrière, t'as ta box. En France, t'as ta box ADSL ou câble ou satellite. Aux États-Unis, c'est surtout le câble. Et donc, ce qu'il y a, c'est que les opérateurs câbles détiennent aux États-Unis un grand pouvoir et ils vont pas lâcher leur flux à Microsoft, le contrôle à Microsoft, comme ça. Donc, Microsoft doit s'insérer par-dessus la cable box. Donc, ils parlent de rajouter des infos par-dessus. Très bien, ok. Donc, t'imagines que ta box, elle va se brancher sur la One, qui va se brancher sur la télé. Donc, rajouter des infos par-dessus, ok, il faut que la One soit au courant de ce qui se passe exactement pour qu'elle puisse te mettre, on va dire, des infos en plus sur le sport. J'espère pas des pubs en plus, ce serait le paquet.
Et puis, par contre, changer de chaîne, donc avec le HDMI, vous savez, les prises classiques aujourd'hui, on a la fonctionnalité CEC qui permet de faire passer des commandes à la chaîne. Et effectivement, tu branches un appareil compatible HDMI CEC, tu peux aller piloter un autre appareil derrière et donner un ordre de changement de chaîne. Mais c'est pas super encore très très répandu, si vous me permettez cette formule, et je ne sais pas à quel point les box derrière vont suivre, déjà aux États-Unis, mais après partout dans le monde. Bien sûr, dans chaque pays, c'est convaincre tous les opérateurs, c'est s'assurer que déjà c'est possible. Ça me semble un pari assez risqué. Voilà. Donc du coup, on rappelle quand même les principales infos. Donc la Xbox One sort cette année. Donc ça, c'est quand même très, très important. Ils n'ont pas précisé spécialement les territoires, donc on espère que ce sera aussi cette année en France, en Europe. A priori, je dirais que oui, ça risque d'être une sortie mondiale. Mais la présentation qu'on a pu voir lors de cette conférence, où tu as quelqu'un qui est debout et qui contrôle genre à la fois sa console et la télé, on n'est pas sûr que ça fonctionne au jour 1 en France. On ne pourra pas sans doute dire à sa console regarde No Life et qu'il aille chercher directement No Life. Alors que pourtant, c'est la base. Alors, on aimerait bien que ça fonctionne comme ça, quoi. En tout cas, c'est l'idée, ce serait sympa. Mais alors, du coup, les commandes à la voix, donc, qui sont l'apanage de Kinect actuellement, ça a causé des problèmes puisque les gens qui regardaient la conférence avec leur console à côté. Donc, les gars dans le flux vidéo faisaient la démo Xbox allume-toi. Ou Kinect lance-toi, et du coup ça faisait basculer la console des personnes qui étaient en train de regarder ça. Alors, ça veut dire que ça marche déjà. Oui, ça marche, mais c'est problématique. C'est quand même identifier une personne, une voix. Pour la Xbox One. Oui. C'est pour la One, normalement, tu dis Xbox One. Non, je pense pas. Je crois pas. Enfin, pas d'allumer la console, mais je veux dire de reconnaître un utilisateur par sa voix. C'est très compliqué tout ça. Peut-être qu'ils l'ont présenté comme ça, mais parce que moi, c'est ça un peu qui m'a perturbé, c'est que j'ai eu l'impression que tout ce qu'ils montraient là pour le Kinect 2, entre guillemets, c'était ce qu'ils nous avaient promis pour le premier. À la base. Que tu pouvais pas faire Xbox On, oui, et c'est automatiquement ton profil qui s'affiche en fonction de ta voix. Non, donc j'imagine que si c'est ton petit frère qui dit Xbox On, c'est son profil qui s'affiche également. D'accord. Et je crois pas qu'on pouvait le faire ça, sur la 360. Voix, c'est peut-être aussi parce que le Kinect tourne en permanence. Aussi, ça c'est une autre problématique. Alors voilà, il y a ça, c'est le truc, ça, ton Kinect, à moins de mettre le truc, de ne plus le mettre sous tension. Mais là, la console, elle ne s'allume plus. Voilà. Là, la console, elle ne s'allume plus, mais autrement, ça sera always. En veille, en gros. Voilà. Donc ils te promettent des sécurités dans tous les sens, mais il y a des jeunes sur l'internet qui s'interrogent, qui disent attends, tu as une webcam qui a du son, a priori, c'est hackable, une webcam, tu peux la hacker. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu vas devoir systématiquement mettre une serviette ou un truc sur ton Kinect? Parce que est-ce que tu as envie qu'on te voit te balader à poil ou qu'on te voit t'encanailler? Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu peux pas faire tout ce que tu veux, du coup. C'est clair, ouais. Donc il y a aussi cette problématique de on est dans Big Brother et compagnie qui fait baliser les gens. Et il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Si on continue de parler de la console, j'imagine qu'on va en parler. On va en parler maintenant. On en parle maintenant. Alors, ce délire de marché de l'occasion. Alors, il y a un truc. Il y avait des tas de rumeurs sur le côté « la console doit être toujours connectée à Internet ». Ça, ça fait hurler le monde entier, très logiquement. Et donc, ils n'ont pas adressé cette problématique-là durant la conférence. Par contre, donc des tas de journalistes présents sur place, des journalistes américains en particulier, ont pu interroger des groupons de Microsoft et qui ont répondu à ces questions-là. Donc ce qu'on sait, c'est que la console ne nécessitera pas une connexion Internet permanente. Mais lorsqu'on récupère un jeu, il faudra donc déjà l'installer sur sa bécane, rentrer un code qui lira ce jeu-là à son compte, à son profil. Et à partir de là, lorsqu'on veut jouer chez un pote... Je crois que c'est pas si facile que ça. Quand tu veux jouer sur la console d'un pote... Admettons, t'as ton jeu, puis t'as envie d'aller chez un pote. Tiens, regarde, j'ai mon nouveau jeu, vas-y, on le met. Je crois que ton pote doit payer quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a compris. Tu peux te connecter. Connecter sur ton profil. Mais si tu veux donc simplement jouer chez ton pote comme ça, lui, il faudra qu'il installe le jeu et qu'il rachète a priori quelque chose. Alors, quoi exactement? Est-ce qu'il faudra qu'il paye complètement le jeu? Et donc là, on rentre dans le marché de l'occasion. C'est pas clair. Et c'est ça le truc qui est terrible, c'est que visiblement, les ponts de Microsoft se sont pas entendus. Ils le savaient, mais là, ils leur posaient la question. C'est ça qui est grave. Ils disent tous un peu des trucs, différents. Et sur ça, et même sur ce délire de Always Online, donc on disait au final, non, ça va pas être Always Online.
Simplement, c'est vrai que tu devras te connecter. Et par jour, c'est ça. Voilà. Et quand des sites américains, des journalistes américains ont demandé au vice-président même, Phil Harrison, ils l'ont demandé, et à force de creuser à coups de questions, on lui a demandé, mais concrètement, qu'on va devoir se connecter ou pas pour pouvoir jouer, pour pouvoir profiter de sa console? Il a dit oui. À quelle fréquence? Bah, probablement toutes les 24 heures. Ce qui a été démenti quelques minutes plus tard par d'autres officiels de Microsoft. Donc ça n'a pas. Les mecs discutent pas entre eux. Les mecs sont pas prêts. Ils le savent pas. C'est hallucinant. Donc ça fait vraiment vraiment peur. C'est hallucinant. Ouais. Mais en fait, dans l'update, dans ce qu'il disait quand ça a été démenti, il disait Phil Harrison a évoqué un des scénarios possibles. On est en train de réfléchir à d'autres scénarios. Voilà. Bon, ils sont pas encore fixés là-dessus. Alors il y a un truc intéressant. On en discutait avant cette émission avec pas mal de gens de la rédac. On en discutait par exemple avec Mathilde. Et donc, ok, c'est la console n'est pas connectée, ne nécessite pas une connexion permanente à Internet. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, il faut que tu te connectes une première fois pour pouvoir installer ton jeu. Ok, ça, pas de souci. Ensuite, une fois que c'est fait. Genre ton jeu est installé, tu t'es connecté, il a été reconnu et lié à ton profil. Tu prends ta console et tu vas dans un endroit, par exemple chez ta grand-mère qui n'a pas de connexion Internet. Visiblement, aujourd'hui, on ne pourra pas jouer. C'est pas clair, mais il semblerait que si il doit y avoir une espèce de ping de connexion, genre au moins une fois par jour à Internet, du coup, on a une console avec des jeux dedans et on ne pourra pas y jouer. Je pense que tu as plusieurs scénarios, effectivement. Un des scénarios, c'est que tu es obligé de prendre ta Super Nintendo pour aller jouer chez ta grand-mère. Bon, alors, c'est bien aussi. La Xbox One, ça marche pas. Je pense que tu as plusieurs scénarios suivant que tu veux jouer sans le CD original ou pas. Si tu le remets, à mon avis, et qu'il y a vérification et tout, tu dois pouvoir jouer. Enfin, ça semble un peu gros. Par contre, si tu veux pouvoir jouer à ta bibliothèque de jeux installée sans avoir à remettre la galette, effectivement, il fait un ping sur le serveur, c'est transparent, ça le lance. Mais c'est agréable, ça aussi, de ne pas avoir à mettre la galette en soi. Ah, mais bien sûr. Mais le vrai problème, je trouve, c'est qu'après une conférence d'annonce, on en soit à se dire « je pense que ». Oui. C'est ça le vrai problème, c'est qu'on n'ait pas eu ces vrais... Sur un sujet qui allait évidemment abordé. Oui, c'est ça, on est d'accord. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'ils savaient qu'ils étaient attendus, parce qu'ils étaient factuellement attendus là-dessus. Ils connaissent les interrogations. Ils sont pas bêtes, les gens. Ils connaissent les interrogations. Ils savent les questions qu'on se pose. Ils savent aussi ce qui énerve les gamers, les core gamers notamment. Ces questions-là, ils savent que ça énerve. Ils auraient dû se pointer avec des réponses on ne peut plus claires là-dessus. C'est ça qui est vraiment étonnant. C'était les rumeurs avant la conférence qui disaient Microsoft est en retard sur le développement, sur les jeux, sur la console elle-même. Alors, on se retrouve un petit peu dans la situation inverse de la génération d'avant, enfin les 360 PS3, où la 360 est arrivée bien en premier, elle a pu s'installer, et la PS3 est arrivée après, bien après, enfin, au terme de lancement. Là, c'est un petit peu l'inverse, la PS4 a été très ouverte, enfin, sur les caractéristiques, là, commencent à être pas mal connues. Il y a des développeurs, les gens de Killzone notamment, qui ont publié carrément leur expérience avec, la manière dont ils ont développé leur jeu, enfin, démo technique pour la conférence PS4. C'est très intéressant, on voit comment ils s'organisent, ça a l'air de très bien se passer. Et là, sur cette Xbox One, on se pose des questions. Effectivement, donc il y a la connectivité Internet. Le Kinect qui est tellement évolué, alors maintenant il reconnaît jusqu'à 6 personnes, on peut aller beaucoup plus près. Il analyse même en regardant ton visage, en regardant à la fois en infrarouge et en lumière visible par les humains, il arrive à détecter ta fréquence cardiaque. Est-ce que tu es en train de flipper ou pas en jouant à ton jeu de Survival Horror? Ça peut être très bien exploité. Est-ce que tu kiffes le but que tu viens de mettre? Si tu aimes ton chien, ça se verra. Oui. Et en même temps, ils ont annoncé plein d'exclus, Thierry. Ils ont annoncé, ça c'est un gros truc. C'est la Xbox et Microsoft ont toujours été en retard sur les exclus par rapport à Sony. Sony travaille avec plein de petits studios qui leur appartiennent ou non et qui ne développent que pour la PS3. Donc on avait plein d'exclus. Là, ils ont annoncé pour la première année, donc la console sort et sur cette première année, on aura 15 titres exclusifs de Microsoft Studios, dont 8 nouvelles licences, donc 8 nouveaux univers. Donc sur ces 8, on a déjà donc le jeu de Remedy qui a été annoncé. On imagine qu'il y aura également le jeu de Crytek qui utilisera Kinect. On ne sait pas trop quoi pour l'instant, mais au moins c'est une bonne nouvelle, qui est 8 nouvelles licences et qui est autant d'exclus sur la console. On sait également qu'il y aura des exclus provisoires, par exemple sur Call of Duty Ghost, tous les DLC seront disponibles en priorité sur la Xbox One et sortiront ensuite sur PS4 et les autres machines. Et voilà, au niveau du jeu, ce qu'on peut dire. Alors,
Là, il y a aussi, enfin, je veux dire, quelque chose qu'on peut regretter. Tu parlais du Japon tout à l'heure, Moguri. Effectivement, la 360, c'était quand même une grosse tentative de financement de jeux japonais. Ça a donné Lost Odyssey. Je veux dire, voilà, donc déjà, pour moi, c'était réussi. Alors après, ça n'a pas marché au Japon, mais voilà, là, cette ambition n'a pas l'air d'être du tout d'actualité. Donc, ça fait deux consoles qu'ils essayent, ils n'y arrivent pas. Ok, c'est difficile pour eux d'entrer sur le marché japonais. Donc, clairement, ils se ressentent sur le marché américain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et t'as raison, pour revenir brièvement sur un truc que tu disais, sur la conférence PS4, on a quand même eu des démos live. Sur cette conférence-là, non seulement on n'a quasiment aucun gameplay en termes d'image, mais on a vu personne jouer non plus au jeu. Ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, on parle de connectivité à Internet, de comme quoi c'est mal si ça empêche de jouer chez mamie, à la campagne, ou tout simplement si on n'a pas Internet parce qu'on change d'opérateur. Toute contrainte qui t'empêche de jouer avec ta console et avec tes jeux comme tu le veux, où que ce soit, bah, c'est relou, c'est chiant. Mais après, il peut y avoir... Ça existe déjà un peu, hein, je crois, sur la 360. Enfin, moi, j'avais eu ce genre de problème, déjà, pour des jeux téléchargés. Pour des jeux téléchargés ? J'avais eu des... Mais c'est... Bon, c'est... On peut imaginer aussi que Microsoft joue super bien le jeu. Sur PC, il y a Steam, que vous connaissez sûrement. Steam, c'est quand même quelque chose d'assez contraignant, puisqu'il faut être connecté à Internet pour acheter le jeu, télécharger, voilà... mais c'est super bien accepté des joueurs parce que le système est honnête, parce que ça permet de retélécharger tous ces jeux n'importe où, on perd l'ordi, un problème, on réinstalle, c'est cool, parce qu'ils font des soldes régulièrement super intéressantes, et du coup ils n'ont jamais abusé de leur système auprès des joueurs. Du coup, il y a des gens qui ont été assez déraisonnables sur les soldes Steam, sur les achats de jeux en général. Steam, déjà, tu peux le lancer hors ligne, par exemple. Mais tu peux lancer hors ligne. On pourrait imaginer que le système de Microsoft permette... Encore une fois, on peut l'imaginer. Qu'il y a plusieurs modèles, j'espère. Que ce soit avec la galette à la normale, si t'es pas obligé, mais que tu puisses aussi avoir du confort en plus. Ouais. Mais il y a aussi, tu vois, Steam, on ne sait pas pour l'instant. Intérêt de pouvoir se connecter sur n'importe quel ordinateur. Actuellement, si tu veux connecter ton compte sur une Xbox... 360, donc, qui n'est pas la tienne, c'est long. C'est long. Donc là, ils ont prévu des centaines de milliers de serveurs pour stocker toutes les données des gens, les profils, les trucs. On peut imaginer que tu arrives chez un pote, tu recherches ton profil, toutes tes extensions de jeu sont rapatriées, tes sauvegardes sont rapatriées. Mais est-ce que ce sera aussi libre que... Actuellement, c'est pas le cas. Tu peux pas mettre ton compte sur autant de consoles que tu veux. Je crois pas. Alors, tu peux, par exemple, sur la PS3, il est possible de te connecter sur pas mal de consoles, mais je crois que c'est limité. C'est-à-dire qu'en gros, tu arrives avec... Tu as un jeu déjà téléchargé sur ta machine. Donc, du coup, lorsque tu vas chez ton pote et que tu connectes avec ton profil, ton pote doit re-télécharger ce jeu. Ouais. Et donc, ce jeu, donc, ça prend du temps déjà, et le jeu ne peut être téléchargé qu'un certain nombre de fois. C'est ça. Après coup, il est obligé de payer, un truc comme ça. Donc aujourd'hui, ça marche, mais c'est assez long. Donc il faudrait vraiment que ça change à ce niveau-là si on veut une utilisation comparable à celle de Steam, en tout cas. Voilà. Bon, on espère en savoir plus très prochainement. Donc, on espère voir les jeux. Donc là, ils ont vraiment multiplié les appels, les commentaires en disant « Oui, on n'a pas parlé beaucoup de jeux lors de cette conférence, on s'excuse, machin, machin. » Vous en verrez plein et l'E3 sera consacré uniquement aux jeux et on devra avoir moins de conneries avec la télécommande télé. Juste pour terminer sur une note positive. Une note positive. Moi, je voulais parler de la manette. Ce que j'allais dire. Parfait. En fait, et j'ai vu de la jeunesse j'ai lu de la jeunesse sur Internet, donc qui avait assisté à la conférence Microsoft, mais aussi celle de Sony, et qui disait au final, moi j'ai mon PC. Eh ben, je sais que d'ici quelques mois, j'aurai deux nouvelles super manettes pour jouer à mes jeux sur PC. Donc, on notera sur la manette Xbox One. Donc, déjà, tu as un nouveau pavé directionnel qui est un vrai, en fait, comme sur les manettes Super Nintendo, parce que c'est ce truc bizarre qui faisait mal aux doigts et qui répondait mal. Et on aura également, en fait, des triggers à retour de force. Ouais. Et donc, on pourra avoir un retour de force sur un seul des deux triggers. Enfin, C'est confirmé. Tu as une sorte de petit retour de force. Il paraît que c'est super sympa pour les gens qui ont essayé. Donc, on a hâte de pouvoir essayer ça à l'E3. C'est sûr. Donc on en reparle très vite, bien évidemment. Donc on aura l'occasion de jouer à pas mal de jeux Xbox One si tout va bien d'ici quelques semaines. Donc on se retrouve très prochainement pour un nouvel Extra Life. Et d'ici là, ciao tout le monde.